Kanagawa est un jeu de collection dans lequel les joueurs tentent de réaliser la plus belle estampe. Yokai en est la première extension. Comme son nom l'indique, l'extension de Kanagawa ajoute des yokai. Ce sont des petits esprits malicieux qui donnent des points négatifs en fin de partie. De moins 1 point pour un yokai, à moins 9 points pour 3 yokai. Lorsqu'un joueur prend une tuile avec un symbole yokai, il place l'un des pions de la réserve ou d'un autre joueur devant lui. Mais pas de panique, certaines tuiles permettent d'offrir généreusement un yokai à l'un de ses adversaires. Une nouvelle tuile diplôme offre 4 points de victoire au premier joueur qui réunit 3 yokai au cours de la partie. Mieux vaut vite s'en débarrasser ensuite. Kanagawa Yokai propose aux joueurs de diversifier leurs œuvres, en peignant des cerfs-volants, des lanternes et des ombrelles. Chaque nouvel enseignement est lié à une série de diplômes. Les cerfs-volants se collectionnent par couleur. Les diplômes des lanternes jouent sur des combinaisons spécifiques. Les ombrelles doivent être consécutives pour gagner les diplômes associés. Lors de la mise en place, deux familles du jeu de base et deux familles de l'extension sont mélangées. Le reste est remis dans la boîte, pour une prochaine partie. Pour conclure, l'extension Yokai ne modifie pas profondément Kanagawa, mais elle ajoute de l'interaction entre les joueurs et de la rejouabilité par l'intermédiaire des nouvelles familles.